quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Des ruines de Hammer, nouvelle découverte. L'envers de l'endroit, voilà. Et je suis un gâteau. Comme envie de rater. Bien, il faut que j'en mette Skyrim dans mon jeu parce que sinon en fait ça va marquer encore que je suis en train de jouer à rien du tout. Donc là je ne vois plus le chat du live, mais là voilà ça va revenir normalement dans 20 ans. Là il y a quelque chose, donc je suis... Quand c'est des trucs comme ça, je suis obligé. Je peux pas me dire, voilà, non, je ne rentre pas là-dedans. C'est trop tentant. C'est beaucoup, trop tentant pour me dire, voilà, je ne rentrerai pas là-dedans. Je suis obligé. Je vois ça, je me dis, oh putain, il y a des trucs à l'intérieur. Qui est là? Oh non. Il s'en est fallu de peu. Ah bonjour. C'est quoi le problème avec cette araignée? Je sais pas, mais cet endroit en est infesté. Oh non! Tous ceux que j'ai vus ont été envoûtés. Ou quelque chose. Pas un endroit rempli d'araignées, s'il vous plaît. Moi, je sors de là. Déjà, les araignées, j'aime pas ça. Mais alors, les araignées mais magiques... Mais moi non plus, j'aime pas les araignées. Aide-moi! Me laisse pas tout Faites seul. Faites attention avec ça. Y a-t-il quelque chose de plus répugnant que les araignées? Non, je suis totalement d'accord avec toi. Pattes. Ah oui, exactement, toutes ces pattes. Y a-t-il quelque chose de plus répugnant que les araignées? Oh, t'as parlé. Toutes ces pattes. Oh, mais pas, t'aimes pas les araignées. Même pas. Je suis peut-être assez une de mes phobies des araignées, quoi. Vraiment pas à mon aise à moi. Mais alors là littéralement le mec vient me dire voilà il y a des araignées partout, regarde c'est dégueulasse. Arachnophobia, exactement. C'est exactement ça en plus, c'est juste non le, voilà les araignées non je peux pas. Je veux même pas me faire approcher par ces bestioles. Bon ça sent le puzzle ce truc. Espérant que si on se rate ça fait pas apparaître des araignées. Ah, je suis bien trop fort. Mais va des rétro les araignées. Ouais exactement, va des rétro. Si j'en ai une dans, si j'en ai une dans ma chambre, tu vois, je dors pas, tu vois. Tant que je l'ai pas, tant qu'elle est pas morte, je dors pas dans ma chambre. Bonjour. Déverrouillon. Sérieux, j'aime pas ça, je veux pas. Mais moi non. Ah, mais moi non, je veux pas, j'aime pas. Et je le fais quand même parce que voilà, je me dis, il y a peut-être du stuff à la fin. Oh, c'est bâtard. Bon, elle est toute seule. Va niquer ta race. Je me dis c'est même pas des mecs donc... Oh non ça sera là. Les frissons. Ah les frissons partout dans mon corps quand je vois ces trucs. C'est horrible. Je veux même pas m'en approcher. Là tu vois à distance, tu dégages. Ou à la dernière. Que je m'approche pas. Là, les frissons que ça me donne, moi aussi. C'est horrible. Bon, autant quand même... Oh, ça perd l'hypopédie. Il a fallu qu'il me fasse un niveau comme ça, les araignées, s'il vous plaît. Non, j'aime pas. Et wesh en plus. Bon, apparemment, il faut que je pète ça, donc pétons ça. Non.
putain de merde. Non non mais là c'est un donjon que je joue à distance quoi. C'est même pas je m'approche quoi, c'est... Même pas je m'approche de ces bestioles. C'est un mec qui augmente les puissances des araignées, c'est quoi cette connerie? Mais moi au départ je pensais que t'étais juste allé être gentil. Par contre je veux bien ta cape. N'approchez pas de moi. Botte du mage noir. De Cornarus, lame argonienne, ouais. Oh, elle est sympa, elle est belle. Je peux me cacher, oui. Elle est belle. Je prends cette armure, elle est très classe. L'armure du loup à côté, c'est une armure de PD. Trop classe, elle est belle. Attendez, faut que je me vide de mes affaires. J'ai trop d'affaires sur moi. Ouh, je te toi, oui, je sais, mais bon, voilà. Là, il y avait juste toi à récupérer. J'ai bien fait d'aller quand même, il y avait une belle tenue. La tenue, elle était classe quand même. C'est quand même une tenue que j'avais jamais vue de ma vie. Par contre, je sais pas combien il y a de place dans ce coffre, mais putain, c'est un fameux coffre, hein. L'espadon de chevalier on laisse, ça je laisse, l'âge de fer je laisse. Ça je garde. On est un petit peu de... Putain c'est dessus. La santé revient 20 fois plus vite, ça c'est quand même... Je sais pas si j'ai un anneau d'équipé. Ouais c'est... Mais je fais beaucoup moins de nuit. Donc voilà. En train de chercher, il est où mon bouclier? C'est ce truc là et l'autre il fait quoi? 24. J'ai 309 sur 450. Ouais c'est sympa, c'est cool. Ça commence à diminuer. Par contre j'ai tellement de livres aussi. Ça apparemment ça prend pas de la place. Ça va. Voilà, je me suis pas mal vidé. Peut-être que ça c'est beau, mais ce qu'il y avait derrière c'était moche. Oui, je confirme, mais cette armure est quand même vachement classe. L'armure est vachement... Je suis content pour l'armure, quoi. C'est une armure simple après, hein. C'est une simple armure... Je vais dire... une simple armure, mais voilà, quoi. Même pas en rage flipper pour rester là. Oh non! Oh non! Non. Je pensais que j'avais fini avec ça moi. En plus elles sont énormes. Vous allez dire que ça touche pas. Je vais en rapprocher.
Leticia. Parce que y a toujours moins du stuff. Je m'en approche même pas quoi, tellement ce truc. Je vais même pas m'approcher de ce truc. Comme une vieille grosse tapette. En plus apparemment elle est buggée. Magnifique, tant mieux. Reste bien buggé dans ton coin. D'abord vous êtes pas obligé. C'est bon, c'est fini. Invoque la Vultara. Ah oui, mais oui. Elle va oublier, elle. Non, c'est pas une, c'est une blague. Tout ça pour revenir ici. C'est une blague, c'est tout ça pour... Allez, vous faire reculer. Heureusement que j'ai eu une armure, j'aurais pété un câble. Je me barre de là. Ce donjon est fini. Les araignées, fini. Oh, sérieusement. Quel donjon. Oh, je crois que c'est le pire donjon, je pense, que j'ai fait depuis le début sur Skyrim. Le donjon qui me donne le plus de frissons, je pense que pour le moment c'est celui-là. Que des araignées, oh. J'en ai encore des frissons, j'ai tous les poils, j'ai les poils qui bandent. Je la fuck off, c'est ça. Regardez-moi quand c'est, comme ces feuilles sont belles. Regardez-moi ces feuilles comme elles sont belles. Ça, tu vois, c'est mignon. Oui, ça c'est mignon. Cette armure aussi est très mignonne d'ailleurs. Bon, ceci dit, j'allais par là moi au départ. Pas les araignées. Non, les araignées c'est très... C'est quoi ce truc? Il fout tellement mal. Je comprends pourquoi les autres sont morts tout d'un coup. Me soigner. Que j'en perds encore. Ouh. Qu'est-ce que c'est que c'était que ces Spriggans? Orc chasseur. Il chassait quoi, les Spriggans? Je dirais bien, en tout cas, ils ont pas grand chose sur eux. Hein. Ceci étant dit, moi je vais aller par là. Les araignées étaient moches. Les araignées. Au moins, la dragée des choses, je suis un peu tranquille avec les araignées. Bonjour. Pourquoi il y a un troll mort ici? Enfin, c'est peut-être les autres, là, qui les chasseurs qui l'ont buté. Je dirais même qu'il y a de grandes chances, et là il y a encore des Spriggans. Ouais, viens me dire que cette flèche-là elle touche pas. On verra qu'elle va bien en face quoi. Mais...
Oh, il y a un corps ici. Deux femmes en plus. Une captive. Vide. Bon bah... N'empêche que si je mets le jeu de base, il ressemble à ça. Ça c'est le jeu de base. Et ça c'est avec mon MBL activé. C'est quand même déjà plus beau hein. Apparemment moi je dois monter vers le haut hein. Donc montons, écoutez. Et d'abord j'ai une 4 par là. Crip la madame, eh ouais. Crip la pauvre madame. Morte par sûrement l'esprit gant. Yoda, là-bas. Ça va toi? C'est pas ce que je voulais faire hein, mais... Ça fait rien vu. Bon bah tant pis, je veux pas attendre que mon sort se recharge hein. Bref, oui. T'as bien raison. Cache à l'hôtel de Périté. Voyageur, c'est ça? Oui. Non, pèlerin. Non. Vous êtes là pour communier avec Périté, tyran et seigneur décharné? Non, je sais pas, je suis là pour avoir un lag. Puis-je... Parlez-moi de Périté. Ça a bugué. Mm-hmm. Wow. C'est quoi tous ces frises? Oui. C'est le pus voilà. De la blessure. Mmh. Oh, les délicats froncent le nez, mais c'est le pus qui absorbe les humeurs impropres et purifie le sang. Mmh. Je vénère Périté, oui. Parce que parfois le monde ne peut être épuré que par la maladie. Mmh. Puis-je entrer en communication avec Périté? Tout le monde n'a pas le cran de se soumettre à Monseigneur. Mais Kesh vous aime bien. Il se pourrait que Périté consente à nous parler si nous l'acceptons. Si vous souhaitez communier avec lui... Il nous faudra de l'encens. L'encens? Parlez-moi de cet encens. Oui, l'encens. Apportez-moi une fleur de grelot de la mort, un lingot d'argent, un rubis parfait, et de la poussière de vampire. Je vous montrerai comment faire. Un seul homme. Je ne me mêle pas de ça. Par les dieux, encore une bagarre. Alors il me faut un rubis parfait, un lingot d'argent, de la poudre de vampire. Mais prends pas le large, je barre pas, putain j'ai besoin de toi moi. Putain il se barre pourquoi? Parce qu'il y a ça. Mais si putain de salope. Ça lag, ça cache pas au moins. Quoi, j'ai une vue du faucon là maintenant? Genre, on se retrouve dans truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ça y est, ça a craché. Bah, ça a quand même craché au bout d'environ 2 heures de live, donc c'est pas encore trop grave. Il faut juste là pour tuer un pauvre petit loup, exactement. Exactement. Bon, au moins, j'ai déjà beaucoup moins de lag. C'est ce que je me dis. C'est que ça a peut-être craché, mais j'ai beaucoup moins de lag qu'avant. Enfin, j'ai beaucoup moins de crash qu'avant. J'espère juste que j'ai sauvegardé. Je sais même pas si j'ai sauvegardé. Je crois pas. Condition, je vais pouvoir aller repartir à... Hey, bonjour, je m'appelle Jean Racine, le chat qui fait miaou. On va lui parler à lui.
perdu aux yeux. Pourquoi aux yeux? Ah oui. Il fait peur un peu. Hein. Je suis pas content. Montre-moi un coup ta glotte. Faites A. Et Photoshop et Vegas. Eh ouais. Ça décolle pas. Bonjour, et Photoshop et Vegas. Et Chrome et mode organiseur. Skyrim et Cinema et Blizzard. Pas Battle Planet. Entre nous, ils sont crack. Je vois pas de quoi tu parles. Tout est totalement normal. Comment tu veux que je craque Google Chrome? De toute façon, c'est déjà gratuit. Le mec est un peu con, c'est sur les ports. Ça va, j'avais sauvegardé, j'étais pas trop con. Ça l'aide toujours autant, pas possible. Bon allez, juste pour le kiff. Par là juste pour le kiff de on va faire quelque chose de sympa. Ceux qui connaissent Skyrim ont peut-être déjà compris ce que je vais faire. La cause ça va être beaucoup trop haut niveau par rapport à moi et je vais vite faire demi-tour en fait. Ta bête. Ça y est, t'as essayé de venir. J'ai pas assez de potions de soin. Je pense pas que j'en ai assez. J'ai vraiment pas de potion de soin, j'en ai peut-être une ou deux donc Alors option, je regarde à combien de potions de soin. Ah j'en ai qu'une seule en fait de potions de soin. Bon bah alors on va plutôt descendre par là hein. T'avais dit, je t'apportais malheur sinon. La poudre de vampire, normalement, ça devrait pas être trop compliqué à récupérer. Alors. Un diamant.
Peut-être l'acier vertueuse. On va prendre un coup. Elle fait quoi? Et bon, au niveau 15, je fouille quoi pendant 30 secondes? On m'écoute jamais. Mais non, mais t'as juste porté ça. Ah, la pauvre, elle est venue en sacrifice. C'est quoi, c'est un incident à l'écrob? Est-ce que c'est un livre ou... Voilà. On va descendre un coup vers là, je sais pas c'est quoi le nom de la ville. Je suis pas poisseux, un petit peu si. Vous apportez la poisse. Le mec n'accepte pas d'être mort, tu vois. Mais j'entends quelqu'un hurler là. Bon, trouvons bien le moyen de nous renvoyer. La mine qui produit est fermée. Et il n'y a pas de minerai dans l'autre. Vous n'êtes pas d'ici. Et je n'ai rien à vous dire. Bon bah apparemment il n'y a rien à me dire parce que je suis pas d'ici. Mais j'ai comme l'impression que dans cette mine il y a quelque chose de pas cool, donc on va aller voir. C'est pas gentil Et ouais, ce YouTube comprendra pas qu'est-ce qui se passe là, pourquoi je dis ça et tout. Bah oui, bah... Allez, gavir sur le live, les gars. Vous voyez tout en direct, en live, vous pouvez me dire directement ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous dites, peut-être qu'il y a peut-être des trucs vieux ou pas. Je peux pas utiliser ceci pendant un combat, mais je suis pas en combat. Je suis pas en combat, putain! Bon, semblerait-il qu'il n'y a rien dans cette mine, en fait, réellement, à part le truc de minerai de fer au bout. Ouais, bande de moches, là! Ah, dis donc! Ah, on est quand même déjà niveau 20, hein. Je crois que j'avais commencé le stream niveau 16 ou 17, je sais plus. Ça monte. Et je parle pas de ma bite. Vous devriez parler à Aintash. C'est lui qui commande. Vous voulez quelque chose? Écoute, j'aimerais bien que tu me expliques qu'est-ce que tu causes ici, qu'est-ce que tu farfornades. Bon, faut que je trouve Aintash. Mais qu'est-ce que tu fous? Dégage. Mais... Pervers. Mais non, réaliste. Jetez un œil. Vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Qu'est-ce qu'il y a en vente? Rien de plus que ce que vous voyez. Oh, t'es pauvre en fait. Ouais, pas très intéressant, non. Par contre, moi, je peux te vendre des trucs. T'as toujours le casque extrêmement intéressant à regarder. Il y a des classes, hein. Alors, qu'est-ce que moi, je peux te vendre? Merde. Voilà, en fait je peux tout te vendre en fait. À part mon épée. Donc on va aller chercher tout ce qu'il y a dans mon Haven Bag et on va aller lui vendre, on va se gagner du fric. J'ai mis un mode pour que les marchands soient beaucoup plus riches. Parce que bon, ils ont jamais assez d'argent, ils ont jamais beaucoup d'argent.
Bon, je sais, là, on y voit rien. Moi non plus, j'y vois rien non plus. Mais c'est juste que je sais où est-ce qu'il faut aller. J'ai tout pris. Terminé, procurez-vous un lingot d'argent. Je dois être 3 fois trop lourd. Putain, 1048 quoi. Alors, on va aller le vendre, on va se gagner quelques d'argent, un peu d'argent. Un peu beaucoup même. Grâce au mode qui permet d'avoir des marchands riches. Je vais enfin pouvoir vider mes coffres. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, faites-moi signe. Ouais, ton argent. Tout ce que vous voyez est à vendre. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a à vendre là? Qu'est-ce que je vends là-dedans? Ça... Espadon... Oh, ça j'hésite à la garder. Je crois que j'ai la garder. Ça je peux te la vendre. La hache de fer, ça... La base de fer... celle-là je peux te la vendre. Celle-là je la garde parce que c'est quand même celui du Tan. Ça je peux la garder. Ça je vends, effet de frisson nordique, épée de fer, épée de Dwemer béni, mais je vais vendre aussi. Épée elfique. Épée certi, ça par contre elle est quand même classe, donc je vais la garder. Cuirasse à vendre, Botte de furtivité on va vendre. Botte du loup on vend. Botte elfique de parade on vend. Bouclier de parade on va vendre. J'aurais peut-être dû le garder en fait. Tant pis. Elfique. Light. Masque en bois, ça je garde. Ça je vends. Bon ça il y a beaucoup de choses qu'il faut que je garde. Ferraille de hammer, lingot d'acier. Il faut que je garde les lingots d'acier. Ou lingots de fer, je sais plus. On va garder les deux de toute façon. En fait le problème c'est que là j'ai pu lui vendre des affaires mais j'ai pas pu tout lui vendre quoi. J'ai encore énormément d'affaires sur moi en fait. Donc on va sortir et on va voir s'il n'y a pas un vendeur de bric-à-brac on va dire que là je peux lui vendre tout. Que lui sa parent c'est vendre plutôt des armes et des armures et c'est pas trop ce que je recherche quoi. Là-dedans il doit y avoir. Tu viens vers moi toi non? Oh, je peux vous aider? Je recherche un mec avec qui je pourrais vendre tout ça, parce que là je suis extrêmement lent tellement je suis lourd. Bon bah tant pis, hein, on va aller remettre tout le reste dans nos coffres. Et putain ça a encore crash. Pourquoi? Je sais même pas pourquoi ça crache comme ça. Hein. C'est ça le pire. Il y a certaines zones du jeu où apparemment ça crache. Il faudrait que je regarde un coup dans mes documents, voir s'il n'y a pas encore un truc bizarre. Bah, j'irai voir sur internet après et tout. C'est embêtant parce que ça me fait moi aussi même chier. Tu peux taper un poulet, j'ai pas trop envie d'eau. Après, je vais avoir tout le monde sur le dos. Le jeu, tu déconnes là. Ouais, il déconne, hein. C'est pas gentil, hein. Genre, tu vois, il a pas crash. Pour... En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement aléatoire. C'est le jeu, il crash pendant 2 heures, il fait rien, et après, bah, tout d'un coup, il décide de faire plein de crash. T'as les épées sont belles. Regardez, ouais, c'est beau. The voice typically need time to build up to full strength. Again, a shout. Les agents du domaine d'Aldemir. Le jeu bilingue. Regardez-moi ces détails dans l'arme. Même quand tu zoomes, quoi, c'est détaillé. C'est magnifique. T'as des craquelures dans l'arme. C'est pas toujours une aide. C'est genre talent trop classe, quoi. Ah oui, j'ai tellement monté de niveau. J'ai niveau presque 21. Bon.
Pour profiter d'une portée et de dégâts optimum avec un arc, maintenez le bouton d'attaque enfoncé jusqu'à ce que l'arc soit bordé au maximum. Oh, point, point, point. Bah, il n'empêche qu'il faut se dire que le jeu cherche plus vite que GTA 5 sans mode, quoi. Le cheval, viens. J'ai besoin de toi. Sale mercenaire, hors de ma mine. Surveille ta langue. Qu'est-ce qui se passe là? Nous partirons quand nous serons sûrs qu'il n'y a aucun parjure ici. Oh, et quand ça, je la mine est fermée. Quand j'aurai vendu mes terres au standard. Les parjures ont attaqué il y a quelques temps. Comme le Jarl comptait ses hommes, les 100 d'argent ont généreusement proposé de nous envoyer faire le ménage. Tout ce que nous voulons, c'est que ce vieil autochtone nous remette ses terres pour payer nos services. Ensuite, nous partirons et tout le monde pourra reprendre le travail. Je pourrais convaincre si vous faites ça, je m'assurerai que vous touchiez une part. Qui sont les sans d'argent? Vous n'avez pas entendu parler de la famille sans d'argent? Ils possèdent pratiquement la totalité de la ville de Markarth. Ce sont eux qui le payent. Il faut que je fasse quoi? Parce que j'ai pas vu... il faut que je le tue ou... Parce que s'il faut, je le tue lui. Hein. Attard, viens! Viens! Viens, j'ai besoin de toi, faut que je te dise quelque chose. Allez, fais pas ta pute. Fais pas ta... Bon. Faut que j'aille remettre tout ça dans mon coffre. Le problème c'est il est où maintenant? Je vois plus mon... Je vais le persuader de quitter la mine. Je veux pas que les zones vendent leur mine parce que c'est peut-être leur seul truc et bon, lui en plus ça a l'air d'être un connard. J'essaie juste de faire ça hein. C'est ça mon cul. On la met là-dedans. Les flèches ça va, ça pèse pas de poids donc la compétence d'armure lourde, non, dextérité, non, remède, non. J'ai vraiment énormément d'affaires. Hein. Je crois. Voilà, alors. Bon, les os de dragon, là, j'ai beaucoup trop... J'ai des 8 os de dragon, ça pèse lourd. Bon, les peaux, là. Branchage, on s'en fout. Lanterne, linge, lingot d'argent. Je sais plus c'est quoi, lingot de fer ou lingot d'argent. Bon, bah, tant pis, dans le pire des cas, je peux bien aller rechercher quoi. Ah, c'est un lingot d'argent, donc il m'en fout qu'un quoi. Alors, argent, lingot d'argent, lingot d'argent, lingot d'argent. On va en prendre un. Voilà,
Voilà, on s'équipe de notre lanterne et on se déséquipe de notre abattement pour sortir de ça. Et on va aller lui causer là, l'autre là, on va lui dire dégage. C'est ma ville. Bon, c'est pas vraiment ma ville, mais tu vas dégager quand même. Reviens. Les sangs d'argent m'envoient veiller. Je ne suis pas originaire de ces contrées. Je suis un mercenaire. Voici mes... Eh bien voilà, c'est parti. Ouais, ça va sur l'armure. Je crois que c'était comme ça qu'on faisait en sorte de lui dire de partir, mais apparemment non. Donc on va recharger. Je pensais que c'était comme ça qu'on lui disait de partir. À la prochaine fois. Ouais, ouais. Allez, salut. Heureux de t'avoir rencontré. Allez, lag, arrête-toi. Il n'y avait pas plein de monde ici il y a 2 minutes. Ouais. Et en plus, hop, plus un niveau, cadeau. Vigueur, voilà. Mais quoi? Je crois que c'est ça, les sortes de conjuration liaison. Mystique, les sortes d'armes liées. Ouais, c'est ça. Sort d'armes liées, nourrir la population, permet de nourrir les créatures invoquées ou de réanimer avec de la chair. Mais prenons ça. Pourquoi tu l'as pas laissé mort? Parce que sinon on peut vraiment savoir la quête. Quand ce ne sont pas les parjures qui attaquent ma ville, ce sont les nordiques qui tentent de m'en expulser. Y'a les ennuis à la mine? C'est du vol, voilà ce que c'est. Les sangs d'argent veulent me prendre mes terres par la force. Les parjures attaquent les mines et tout d'un coup, ces mercenaires sortent de nulle part pour aider. Tant que je n'aurai pas vendu, ils empêcheront tout le monde de travailler. Et si je parvenais à vous pouvez essayer, mais restez sur vos gardes, au cas où les choses tourneraient mal. Mm-hmm. Bon, maintenant on va les rattraper. Cheval, viens. Besoin de toi. Il n'a pas pu partir bien loin. C'est nous qui faisons la loi dans... Pas de gestes brusques. Déjà, c'est un des connards. La mine est fermée. Allez, je veux que vous partez, vous et vos hommes. Vous aidez à une tâche, hein? Donnez-moi une seule raison de ne pas vous enfoncer une dague dans la poitrine. Parce que je vais te voler ton armure. Toute la vie, ça toute tes paroles. Qu'ils essaient de nous y forcer. Je crois que je sais plus. Je crois que j'ai simplement vous tuer. Et moi qui pensais que la journée serait ennuyeuse. C'est parti! Je suis pas censé le savoir, donc en plus ça avait pas validé la quête si je l'aurais fait comme ça.
Tandis que là, au moins, ça m'a validé la quête. Qu'est-ce que c'était? Oh, je l'ai tué d'un coup, celui-là, quoi. Qu'est-ce que c'était? Oh, j'ai un ami qui joue à Outlast 2. Bâtard de merde. C'était des armures. Mais bon, voilà, au moins on est tranquille. En plus, voilà, ils étaient juste dans une grotte. C'était sûrement des voleurs de merde. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un peu ça, os. Mais l'épée fait extrêmement mal là, en fait. Donc j'ai bien fait de... Parce que apparemment, bon, c'est un truc d'électrique. Donc j'ai rajouté des modes, en fait, pour que quand... C'est des armes, des équipements spéciaux. Tu peux. Elles deviennent légèrement plus puissantes parce que. Non, pas c'est tout. The Craft. Le bâtard. Ah, bonjour. Quand ce ne sont pas les parjures qui attaquent ma ville, ce sont les. Les sangs d'argent feront encore parler d'eux. Mais nous Merci. Vous nous avez rendu un grand service à mes ouvriers et moi. Tenez, rien. C'est pour vous. C'est gentil, vous. 800 d'or. Pas tout le monde qui donnerait ça, hein. Bon, et alors, là, il me parle ou pas? Maudit nordique. Vous n'êtes pas d'ici. Toujours. Et je n'ai rien. Dit. Rien, Ragnar. Une tâche. Je préviens les forteresses orques que vous êtes digne de confiance. Apparemment, non. Alors. Je regarde. Parce que apparemment j'ai une autre quête quelque part, sauf que je trouve déjà pas ma flèche. Je suis là, voilà. Et il faudrait. Ah, je peux pas, si je la tue, je vais avoir tout le village à dos. Carte du monde. Ah, c'est à Faïez, c'est un peu loin aussi. Alors, quête. Trouvez le sculpteur du village à Faïez, allez à l'hôtel d'Azura, tuez le chef des bandits, adressez-vous à Ventus. Je vais regarder à quoi avec ça, ou ce que ça mène avec la flèche. Sachant que moi je suis là, et il faut que je cherche... Tout est par là en fait, hein. Ah, il y a tout qui est tapé à Tarouchnek, donc disons, bah, il faut que j'aille jusqu'à Blanche Rive déjà. Une lame dans l'ombre appareil, c'est l'enterrement du dragon. C'est pas de ce côté-ci, ça? Au cas où. Bon, ben, c'est aussi de l'autre côté, hein, c'est aussi à fête à Rouchnek. Allez, à Solstheim. J'y suis, là, non? Je sais pas si c'est où Solstheim. Ah, là, c'est aussi à fête à Rouchnek. Voilà, c'est là-bas, puis Solstheim. Bon ben, on va faire alors, on va faire, comment dire ça, aller voir Faria Gris-Soison, hein. Il faut que je trouve aussi des grelots de la mort en passant. Et que je tue des vampires. Ah, partons vers l'aventure. Je vois qu'il va beaucoup trop vite pour le jeu, je crois. Ça, je vais enlever ce mode là de pouvoir. Ce mode d'aller beaucoup plus vite, je vais l'enlever. Comme voilà, ça va faire cracher mon jeu. J'ai même plus d'herbe.
redoute de la tour brisée. Regardez, il va tellement vite que le jeu a même pas le temps de charger. Je ne peux pas. Ouais, non, figure, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est mal. Dis donc. Ah merde, je vois plus le chat du live, fait chier, putain. Voilà, maintenant je le revois. Là, en fait, c'est de casser la gueule. Mais t'es parti te soigner, mais t'es une grosse pute. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Tu devais être beaucoup de cris pour pas grand chose. Bah, t'as vu ça. En plus. Bon, rentrons à l'intérieur. Rentrons à l'intérieur, voyons voir ce qu'il y a. Tant qu'il n'y a pas d'araignée, ça me va. Headshot de toute beauté. Quoi, t'as cru que t'allais me faire peur parce que je suis soigné? Alors, crop de parjure, non, ça m'intéresse pas. Ah, je te parjure, non, c'est pas très intéressant, pourquoi? Et il y a quoi? Une potion de soin, ça j'ai pris. Un luth! Est-ce que je peux jouer du luth? Parce que pourquoi... Le jeu! Pourquoi tu craches? Tu m'as pas fait ça pendant 2 heures. Pourquoi maintenant tu commences à dire, ah, voilà, j'ai envie de cracher tout d'un coup? Ah ça y est, il est passé minuit, le jeu il me dit oh je suis fatigué, laisse-moi tranquille un peu. T'es Jou, balayette. Tu vois que je dois recommencer mon kill? Je suis désolé pour ceux qui regarderont ça sur YouTube pour les crashs qu'il y a. Je sais pas pourquoi ça arrive comme ça les crashs. C'est assez embêtant pour moi-même. Par contre, je veux toujours voir... Bah, en plus, c'est même pas qu'il y a un message d'erreur, c'est juste ça crache et puis voilà, c'est tout. Et sans prévenir, ouais, sans prévenir. C'est juste, tu vois, c'est ça crache, c'est un message d'erreur. C'est genre, le jeu, tu vois, tu joues normal, et tout d'un coup, bah, le jeu, il te dit nique ta mère. J'en ai marre. Il faut que je trouve un moyen de enlever tous ces bugs, parce que c'est chiant. Donc je pense que je ferai un personnage test, je vais dire. Sur le côté, pour faire des tests... Oh putain, oui, mais je... C'est la cinématique et tout, l'introduction du jeu. Bah que de montage, sauf que je fais pas de montage vu que c'est ça sort en fait de directement de Twitch. Regardez cette flèche qui va même pas. Elle la traverse. L'exportation directement sur Twitch, les vidéos ne s'enregistrent pas sur mon PC. Donc bah malheureusement je peux pas vraiment faire de cut montage ou quoi que ce soit. Il y a
prend plus, t'imagines le temps que ça prend. Non. Je veux toujours savoir si on peut faire du loot. Il est où? Allez hop, c'est parti. Oh ma vie. Si tu savais... Oh ma vie, si tu savais... Tout le mal que tu me fais, putain de merde. Un autre, donc faire attention. Oh, il est encore en avoir des parjures, hein. Par contre, où ça, je ne sais pas. Coffre vide, donc on va pas chercher dedans, ça sert à rien. Coffre novice, là par contre, ça m'intéresse. Une potion de soin. Très très bien. Là je suis de l'autre côté, non? Semblerait-il. Ça, ça me fait sortir vers bord de ciel, donc ça m'intéresse pas. Ça va me faire sortir à l'extérieur. J'ai cliqué pour me soigner, putain. J'ai cliqué. Vultara, ouais, voilà, je crois que... Putain, en plus je respawn au début, mais chier. Enfin, je crois que je suis au début. Ouais, je suis au début. C'est drôle.
magie, hop. Je peux même invoquer lui. C'est pas moi, c'est lui. Je le jure. Je suis non coupable, c'est pas moi, c'est lui. Oh putain! Oui, quoi? Un cadavre? Oui, quoi? Un cadavre? Bah oui, c'est, tu viens de me buter. Donc oui, c'est ce qu'on appelle un cadavre. Spooky scary skeleton. Qu'est-ce que c'était que ça? Le problème c'est que maintenant il y a les deux autres, celles qui font extrêmement mal. Vas-y, Tara. Putain, ça a été tellement simple avec eux, avec elle. C'est bien, tu fais du bon boulot. C'est bien. On était content, Fifi, c'est bien. Ah t'es content, on a fait des kills. Alors hop, on va relire ce truc, voilà. Ouvrir le coffre. En plus c'est un coffre d'ovis donc voilà, de soins. J'étais par là. C'était par ici. Qu'est-ce que c'était ? Ça a piqué un peu quand même hein. Voltala, sauve-moi. Bien là par contre avec lui, t'as pas beaucoup aidé hein. T'as juste envie de diversion en fait hein là. La bulette de Mara, oh. Très jolie cette bulette. Il
le nom qui restera Voltara. Bon, il va falloir que je le retienne surtout en fait. Hein. Il y a de grandes chances plutôt que je l'appelle Fifi, hein, toujours la plupart du temps, parce que j'aurais sûrement oublié. N'empêche que si je suis la logique, là, on est déjà à 7 épisodes avec celui-là. 7 épisodes du truc, là, putain. 7 épisodes de 2 heures, quoi. Quasiment. Ce qui veut dire que ça fait déjà 14 heures de jeu. Alors que ça faisait... En fait, j'ai déjà quasiment fait le nombre d'heures de jeu que j'avais sur Skyrim sur PC. Chut. Fallait pas faire de bruit, Fifi. Voilà, c'est bien. Jolie tête de loup d'ailleurs. Bon, il a bien brûlé hein. On va pas se le cacher. Elle a bien brûlé. Alors hop, des flèches. Redoute la tour brisée. Garde dans ma collection. Aucune pitié aussi, non aucune. Surtout quand... Ah mais c'est parfait, non c'est pas ça. Engrenage meurt, non. Spell Tom Crackle, je l'ai déjà. Je suis triste. Ça voilà, ça la potion de magie. Et quoi, il y avait... C'était juste ça? C'était... Sérieux? Il n'y a pas plus que ça dans cet endroit, c'était juste vraiment un mec... Alors, une étude de la théorie de la pratique de voyage, voilà, les passages transmino, c'est super préparé, de plus. Ouais, ça j'y arriverai jamais à lire tout ça sur Skyrim. Alors que ça se trouve c'est super important hein. Mais j'arriverai jamais à lire tout ça, ça me gonfle. Ça me gonflerait beaucoup trop vite. Spooky scary skeleton. Spooky scary skeleton. Spooky scary, spooky 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 skeleton. Attention, saut de l'ange. Banane. Bon au moins je suis pas mort. Pour le côté positif, épée de fer, hache de fer, hache de hammer.
que des trucs en fer, hein, eux. Bon, ça, je suppose que c'est les sorties qui avaient les deux sorties que j'ai vues à l'intérieur. Donc, ça sert à rien d'ici de rentrer. On va descendre, on va retrouver notre cheval. Qui est... quelque part, il est là. Alors, on est reparti pour un tour de piste. La 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 la. Il recourt peut-être un peu vite, hein, le cheval, quand même. Avec ce mode. Putaclac. Je propose Vultara et Spooky. Ouais, Spooky, ça peut être sympa. J'approuve le Spooky. Vultara, je peux... Ouais, il y en a d'autres, hein. Il y a un loup que je peux invoquer aussi. Il y a vraiment plein de trucs, hein. Ah, je suis à Rorikbourg. Faut aussi que de temps à autre je laisse charger le jeu un peu. Bah, c'est encore l'autre qui apporte ça au géant là. Putain, mais c'est une blague là, je suis en train de m'éloigner du truc. Par là, Blanche Rive. Il veut emmener où, lui? Mais là, mais je vais juste mettre un pic, un truc. Voilà. Oh, je sais pas où il veut m'emmener. Wolfie, pour le coup. Ah, c'est facile, hein. Pitaclac. Bon, je pense que trouver des... Il n'y a plus d'herbe, c'est normal, parce que je vais beaucoup trop vite. Je sens que le jeu va crash parce que je vais beaucoup trop vite. J'enlève, voilà. Ah, mais non, mais ça a été, en fait. Ah, pour moi, là, le jeu, il allait crash, hein. Il n'y avait plus d'herbe nulle part. De l'arbre endormi. Oui, oui. Et un bébé. J'ai fait une erreur. J'aurais pas dû m'en approcher. Alors là, c'est courage fouillon. Allons vers la bonne ville. Allons vers Blanche Rive. En plus, je voudrais pas. Putain, j'ai tellement flippé. En plus, on est pas loin de Blanche Rive normalement. Il y a des choses, toutes ces herbes là, elles sont pas dans le jeu de Skyrim de base. Normalement, il n'y a pas toutes ces herbes. Normalement, c'est tout vert, tout plat. Mais bon, c'est un peu stable ce mode dans le jeu de Skyrim. Normalement, on va commencer à avoir Blanche Rive de loin. Normalement, j'ai des choses. Là, le problème, c'est qu'en fait, j'aimerais bien avoir mon cheval, mais mon cheval ne me suit pas. Je crois qu'il reste bloqué à un endroit.
avant, donc ça m'intéresse pas. Parce qu'il me faut des trucs là de... Mais je me demande si ça, il n'y en aura pas à Blancherie. Parce qu'à Blancherie, il me semble qu'avec les mods que j'ai rajoutés, la ville de Blancherie, est extrêmement plus belle. Mais d'une beauté très belle. Vous allez voir, quand je vais rentrer dans Blancherie, ça va être magnifique, quoi. On est à la tour, ouais, on y est presque à Blancherie. C'est bon. Ça s'est passé si vite. À un moment, le dragon était là, et l'instant d'après, il avait disparu. Vous avez vu le dragon, ouais, où le dragon est allé ? J'avais trop peur pour regarder. Je ne sais pas ce que nous allons faire maintenant. Il ne nous reste rien. Je regrette, j'ai besoin de tout mon or. Tenez, rends la monnaie. C'est trop gentil, merci. Waouh. Prenez soin de vous, et qu'il ne vous arrive rien. Je suis trop gentil. Par contre, mec, t'as laissé ta femme derrière. Attends. T'as peut-être besoin d'or, toi aussi. Merci pour l'or. De rien. Je suis trop aimable. Alors, on dit si on voit Blancherie, non ? Ouais, il va falloir que je rajoute un mode pour pouvoir courir plus loin, parce que putain, on fait 5 mètres, notre personnage, il est... Et ça, c'est chiant. Ouais, mais Blancherie avait caché ses arbres, en fait. On y sommes. Connard. Connard. Connard, connard. Il a vraiment entendu que je termine ma phrase, quoi. On y sommes. Donc si le bon samaritain, ouais, c'est ça. Oh là 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 là. De toute façon, je pense que je vais terminer la quête là. Et après, je vais arrêter. Parce que ça fera plus de 3 heures que je live. Quasi, ça fera 3 heures que je live. Donc voilà. Exactement, c'est... Le jeu se fout de ma gueule en plus, c'est ça le pire. Et voir que je trouve un patch pour les bugs comme ça, parce qu'en fait, à ce qui paraît, c'est le jeu en fait qui, quand il arrive à un certain de moment, un certain nombre de mégas sur la carte, par exemple s'il arrive à 3.1 je crois, il est programmé pour crasher instantanément. Alors que bon, avec les mods que là, je pense que... je pense que au départ, on va souvent... En fait, ce qui arrive, c'est qu'on arrive souvent à 3.1, je crois, de mémoire visuelle. Pour le jeu ne supporte pas et donc crash se casse la gueule. Et donc, il va falloir que je trouve un moyen de faire en sorte que cette mémoire, donc de 3 gigas, soit augmentée. Et augmente, allez, on va dire à 5, 6, 8 gigas ou 128 gigas, même si c'est impossible 128 gigas. Mais voilà, quoi, des trucs comme ça, quoi. Pour être tranquille et que normalement les crashs disparaîtront. Parce qu'en fait ce qui se passe quand ça crash, c'est quand il y a vraiment beaucoup d'objets autour qui chargent. Genre là à Blancherie, bon il y a le mode qui rajoute énormément d'objets autour. Il y a le mode à l'intérieur de la ville où c'est super beau. Le changement de couleur de la ville aussi. Bon moi j'avais sauvegardé, c'est déjà ça. Merci pour votre gentillesse. De rien, mais moi je attends toujours mon cheval. On va appeler mon cheval un coup. Merci pour l'or. De rien. Bon. Nous y sommes. Voilà, nous y sommes. Il y a 3 trucs qui sont encore en train de charger, vous voyez, ça charge vraiment... Par contre, pour rentrer dans Blancherie, il faut que je rentre dans Blancherie, mais durant la journée. Il faut que ça soit très beau pour vous montrer à quel point Blancherie est magnifique maintenant avec les mods. Donc on va attendre ici, on va attendre 12 heures. Hein, pour qu'ils soient 11 heures du matin.
Et qu'il fera bien clair, donc j'ai des choses, j'espère qu'il pleuvra pas, sinon c'est des connards. Bingo, il y a du soleil. Bon, c'est pas le ciel plus clair que j'aurais pu avoir, mais c'est toujours mieux que rien. Donc on va rentrer dans la ville de White Run, donc Blanche Rive. Puis en français. Et vous allez voir à quel point la ville est magnifique. Franchement, quand je suis rentré dans la ville en ayant rajouté tous les mods, parce que oui, il y a eu des nouveaux mods depuis la dernière fois que vous êtes rentré dans Blanche Rive, il y a des nouveaux mods qui ont rajouté des décors dans Blanche Rive et tout, et que c'est beau. C'est bien, c'est joli, c'est beau, c'est coloré, c'est un... Il y a un peu de tout. Le seul problème, c'est pour y rentrer, c'est que ça charge. Hein. Et voilà, nous rentrons dans Blanche Rive. Et là, voilà, là, vous voyez un endroit magnifique. Ah, voilà, il y a des articles de qualité ici, et encore plus à l'intérieur. Mais il n'y a pas un vampire ici, pourquoi mais là il n'y a plus un hein. Il paraît que la garde de l'eau... Le jeu se fout de ma gueule. Mais je veux juste rendre la quête avant de finir ce live. Je veux juste finir cette foutue quête. Ah, Rockrage, j'adore Sim qui me prévient. Exactement. Oh mon dieu. Oui, ok. Oui, entrez. C'est des salauds, putain. Merde. Oh là 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 là. On va y arriver, hein. Parce que le pire, c'est que j'ai regardé voir s'il y avait des problèmes entre les modes et tout ensuite, des problèmes de, je sais pas, de conflit entre les modes. Mais non, c'est même pas le cas, il n'y a pas de conflit entre les modes. Donc tout fonctionne bien entre les modes, c'est juste, voilà, la mémoire visuelle qui augmente, qui va directement à 3 et paf, ça plante. Parce qu'il y a vraiment trop d'affaires. Et là il va falloir que je trouve un moyen de faire ça, et j'essaierai de faire ça pour le prochain live. Là, et le prochain live qui est dans la logique des choses demain quoi. Est-ce que je pourrais terminer cette quête s'il vous plaît maintenant, s'il vous plaît merci. Ça demande pas grand chose hein. Je demande juste de pouvoir terminer cette quête s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle est où la femme? Elle est où? Faut que je la voie. Ici! Jacqueline, retourne-toi. Bon bah tant pis hein. Je terminerai la quête hors live. Je vous ai foutu de ma gueule. Donc j'espère quand même que le live vous aura plu. Pour le prochain, je vais trouver ce truc qui fait bugger et je vais l'enlever. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau live et bien sûr à plus tard. Allez, tchuss tout le monde.